Pierre Tchernia qui vous parle de Londres à l'occasion de ce Grand Prix Eurovision de la chanson 1968. Nous sommes à Albert Hall, qui est une salle de concert gigantesque puisqu'elle peut contenir 6 à 7 000 personnes. Et c'est ici que 17 pays d'Europe vont s'affronter en cette grande manifestation de compétition pacifique qui a lieu chaque année. Norrie Paramore, chef d'orchestre anglais bien connu, vient d'attaquer avec le Tédéum de Charpentier, indicatif de l'Eurovision, et il enchaîne maintenant avec un arrangement sur la chanson qui gagna le concours l'an dernier, on se souvient avec quel succès, Puppet on the Strings, que chantait Sandy Shaw. Voici l'Albert Hall, en haut les galeries, au deuxième balcon toutes les cabines des commentateurs et le grand orchestre qui tout à l'heure va accompagner tous les chanteurs. Grand orchestre qui sera, comme les autres années, conduit pour chaque chanson par un chef d'orchestre différent venu du pays en question. Un roulement de tambour comme pour annoncer au cirque les moments périlleux. Mais ce n'est pas un moment périlleux, c'est un moment seulement important, celui du début de ce grand concours Eurovision. Et voici celle qui va nous présenter l'émission, Kathy Boyle, une femme charmante que nous avons déjà eu l'occasion de voir en 1960 et en 1963, puisque c'est la troisième fois que le concours se déroule à Londres. Cathy Boyle, qui parle admirablement le français, car elle a obtenu en France son baccalauréat. Eurovision Song Contest. I hardly need tell you that you just heard. Eh bien, elle souhaite à tout le monde la bienvenue à ce Grand Prix de l'Eurovision qui porte le numéro 13. Elle fait saluer et applaudir dans l'Albert Hall, Norrie Paramore. Elle rappelle que l'on vient d'entendre l'air de la chanson gagnante de l'année dernière, car, vous le savez sans doute, le règlement du concours Eurovision veut que le pays gagnant une année organise le concours l'année suivante. Le programme, pour la première fois, est télévisé par la BBC en couleur. Et la France le reprend en couleur, plusieurs pays d'Europe sans doute aussi. Et il faut dire que ce concours Eurovision, cette année, va être transmis, bien sûr, pour les 17 pays concurrents que vous allez voir, mais qu'il sera vu aussi en Russie, en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie et même jusqu'en Tunisie. Et Kathy Boyle dit que la BBC a estimé à environ 200 millions le nombre de spectateurs qui vont voir ce programme. Évidemment, il est évident que pour les artistes, c'est un moment impressionnant. 200 millions de spectateurs, il est rare d'avoir ça devant soi, si je puis dire. Précisons que l'ordre des 17 chansons a été tiré au sort. Et Kathy Boyle nous présente maintenant le tableau sur lequel s'inscriront les votes de tous les jurys nationaux, mais je pense que vous avez déjà eu l'occasion, au cours des années précédentes, de regarder ce grand concours Eurovision et que vous allez vous retrouver en pays connu. Nous allons voir le numéro 1 de ce programme. Le numéro 1, c'est la chanson du Portugal qui s'appelle Verão, l'été. Verão est chanté par Carlos Mendes. Et voici Joaquim Luis Gomes, le chef d'orchestre, qui vient prendre la place de Norrie Paramore. La chanson s'appelle L'été. Je vous cite deux vers de cette chanson. Voilà la fin de l'été, voilà la fin de mon rêve. Je laisse errer cette tristesse, bercée dans la certitude que l'été reviendra. Oui, c'est une chanson d'amour, bien sûr, comme la plupart des chansons de l'Eurovision en général. Capa, como o pé de rolando toma pra cá, como fumo subindo no ar. Assim estou quase indiferente, caminhando sem mais
Esta tristeza bugando embalado na certeza que o verão há de voltar e o verão que sonho perto vai trazer para mim, eu sei. Eh bien, le Grand Prix Eurovision vient de commencer avec cette chanson numéro 1. Je vous rappelle qu'il y en a 17. Cette chanson numéro 1 qui était « L'été », la chanson portugaise chantée par Carlos Mendes. Et maintenant, le numéro 2, ça va être le tour des Pays-Bas. La caméra se promène actuellement sur l'orchestre, si je peux dire, enfin sur les places d'orchestre de cet immense Albert Hall. Et Dolf van der Linden, le chef d'orchestre des Pays-Bas, que l'on voit d'ailleurs chaque année au Grand Prix Eurovision de la chanson, vient prendre sa place, il va diriger l'orchestre. Et c'est Ronnie Tuber, un jeune homme en smoking blanc, je dis ça pour les auditeurs de France Inter qui ne suivent pas l'image, qui va nous chanter Morgan le matin. Je bent een nacht van mijn dag, dag van mijn dag, uur van mijn leven, zo'n tijd duurt lang zonder jou. Ik was zo lang onderweg, lang onderweg, weg zonder einde, zo'n tijd duurt lang zonder jou. Een verre d'entendre Ron Tauber, le concurrent des Pays-Bas, qui chantait Morgan le matin. C'était la seconde chanson de ce concours. Et voici maintenant la troisième chanson.
La troisième chanson sera la chanson belge. Nos amis belges font entendre alternativement une année une chanson en flamand, l'année suivante une chanson en langue française. Voici la chanson en langue française cette année. Le chef d'orchestre est Henri Segers. L'interprète est une jeune femme blonde, Claude Lombard. Et la chanson s'appelle « Quand tu reviendras ». C'était donc la troisième chanson. L'interprète était Claude Lombard. Elle représentait la Belgique. Et maintenant, la chanson numéro 4 sera la chanson autrichienne. L'interprète, Karel Gott, est un jeune chanteur d'origine tchèque. La chanson « Mille fenêtres » a été composée par Udo Jürgens, qui fut le vainqueur de l'Eurovision en 1966 avec la chanson « Merci chérie ». La chanson s'appelle « Thousand Fensters », c'est-à-dire mille fenêtres, des milliers de fenêtres dans toutes les maisons, et ces fenêtres disent toutes muettes, quelqu'un y vit aussi comme toi, seul et isolé. Des milliers de fenêtres brillent dans la ville et tu te demandes qui doit être derrière. Voici Karel Gott. Trägt schon die Stadt ihr Abendkleid, ein Lichter mehr in der Dunkelheit. Die große Einsamkeit tritt in jedes Haus um diese Zeit. Wie auf kleinen Inseln leben wir. Weiß nicht mal, wer wohnt neben dir. Ihr alle kennt euch nicht in der gleichen Welt, voller Unglück. Viele tausend Fenster leuchten.
hoffst du auch noch genauso sehr, nicht so allein zu sein in der grauen Welt aus Stahl und Stein. Viele tausend Netze leuchten hell in dieser Stadt und du fragst dich, wer mag wohl dahinter sein. Karel Gott chantait pour l'Autriche la cinquième chanson de ce concours, Mille fenêtres. Et voici maintenant le tour du Luxembourg. La chanson numéro 5 s'appelle Nous vivrons d'amour. Elle a pour auteur Jacques de Marny et Carlos Loresch. Le chef d'orchestre est André Borly. Et les interprètes sont deux jeunes gens très célèbres à Luxembourg, Chris Baldo et Sophie Garel. Chris Baldo a présenté des émissions à Radio-Télé Luxembourg. Quant à Sophie Garel, elle présente chaque jour 3 heures d'antenne sur Radio-Télé Luxembourg et elle aborde la chanson alors que Chris Baldo le fait déjà depuis assez longtemps. C'est donc ce couple de jeunes gens qui va interpréter la chanson qui représente Luxembourg, Nous vivrons d'amour. À se tromper pour tromper l'ennui, le temps d'aimer à des ciels de pluie, des fleurs fanées ou des cœurs flétris, on voit trop ça dans la vie. Mais toi et moi, nous vivrons d'amour sans faire. Je sais que d'autres ont connu ces joies et pleuré plus d'une fois. Mais toi et moi, nous vivrons d'amour sans faire un pas vers quelque dégoût. Oui, toi et moi, nous vivrons. Chris Baldo et Sophie Garel, avec Nous vivrons d'amour, représentaient le Luxembourg. Et nous arrivons à la sixième chanson. La sixième chanson, c'est la chanson suisse. Nos amis suisses, cette année, chantent en italien. Car vous le savez, il y a 3 langues officielles à la radio-télévision suisse. Cette année, c'est l'italien. L'interprète est Gianni Mascolo et le chef d'orchestre Mario Robiani. La chanson s'appelle « En regardant le soleil ». Je vous cite quelques vers. « Je voudrais rester avec toi, regarder le soleil. Je voudrais enlacer mes mains aux tiennes. » Voici Gianni Mascolo.
io vorrei star con te guardando il sole, pregherò, pregherò.